Dans le reste de l'actualité, ce soir, signature ce matin au ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs d'un accord de partenariat entre le dit ministère et la société Almana pour le financement et l'investissement islamique. Rechercher des financements au projet des organisations de jeunesse est l'objectif de cet accord. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Habiba Saoulba Gontchomé, et le directeur de la société Almana pour le financement et l'investissement islamique. Falambi Soulga nous en dit plus. Cette signature de convention entre le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et la société Al-Amana pour les financements et l'investissement islamique marque la volonté des deux parties de lutter contre le chômage en milieu jeune. En apportant son soutien à la jeunesse tchadienne, la société Al-Amana pour les financements et l'investissement islamique entend participer à la mise en œuvre du plan national du développement 2017. 2021. La ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Habiba Saoulba Gontchomé, rappelle que son département entend traduire dans les faits la politique des plus hautes autorités en faveur de la jeunesse. Le gouvernement et son Excellence, Monsieur le Président de la République, ont une préoccupation de premier ordre, c'est la jeunesse, l'emploi de la jeunesse. Et les besoins de la jeunesse ne peut pas seulement être accompagné par le trésor public. Et pour cela, nous avons pensé que la stratégie de relation avec le partenariat pour compléter l'action publique s'y est. Selon le promoteur de la société Al-Amana pour les financements et l'investissement islamique, Sefedine Mustapha Idriss, son institution ne ménagera aucun effort pour soutenir la jeunesse. Le ministère de la Jeunesse a beaucoup œuvré pour les jeunes à travers plusieurs projets et dont celui du projet incubateur. Donc nous souhaitons véritablement participer et accompagner tous ces jeunes-là. La ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Habiba Saoulba Gontchomé, a saisi cette perche pour interpeller les jeunes à déposer des projets bancables. La République fédérale d'Allemagne a célébré ce mardi 3 octobre 2017 le 27e anniversaire de sa réunification. À cet effet, l'ambassadeur de l'Allemagne au Tchad a convié les autorités tchadiennes, les diplomates, les amis et les connaissants à un repas de partage. Kadnouba Théophile. Pays démocratique et moderne de l'Europe centrale, qui s'étend sur une superficie de 357 000 22 km² pour plus de 82 millions d'habitants, l'Allemagne est une fédération de 16 Länders. Ces Länders ou États ont été réunifiés le 3 octobre 1990 après 40 années de partition entre l'Est et l'Ouest. Pour marquer d'une pierre blanche cette date mémorable, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Tchad, Gabriela Gelil, a convié les autorités tchadiennes, les diplomates accrédités au Tchad, ses compatriotes, amis et connaissances à un repas de partage. Ce moment de retrouvailles entre l'ambassadeur allemande et ses invités a permis à celle-ci de faire une introspection sur le début de l'histoire de l'Allemagne réunifiée. 1990 marque la fin de la division de l'Allemagne et de l'Europe entre l'Est et l'Ouest. En s'engageant pour l'intégration européenne, en se réconciliant avec ses voisins et en abandonnant ses allures martiales, l'Allemagne a pu créer le cadre de l'unité allemande. La diplomate de l'aigle fédéral qui loue les bonnes relations de coopération qui existent entre le Tchad et l'Allemagne s'engage à renforcer davantage cette coopération. L'Allemagne s'engagera, comme annoncé lors de la table ronde de Paris, à relancer la coopération bilatérale avec le Tchad. Une mission de la KfW et de la GIZ viendra ce mois d'octobre pour sonder le terrain. L'ambassade va accompagner ce processus avec enthousiasme. Pour Gabriela Gelil, au regard des expériences passées, l'Allemagne se sent particulièrement responsable de lutter pour la paix mondiale. C'est pour cela que l'Allemagne postule pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019-2020.
Dans nos régions, le gouverneur de la région de l'Enedi-Est a visité le site touristique d'Amdiaras. Valoriser le site est l'objectif de cette visite. Amatin Garasta nous en dit plus. Cette rencontre d'échange et de réflexion dirigée par le gouverneur de la région de l'Enedi-Est, Hassan Diorobo, a regroupé les responsables civils et militaires et toutes les couches socio-professionnelles de la dite région. Au cours de cette rencontre, le représentant du pouvoir exécutif de l'Enedi-Est a mis un accent particulier sur le respect des horaires de travail et la cohabitation pacifique. Le gouverneur de la région de l'Enedi-Est a attiré l'attention de ses collaborateurs qui s'absentent à leur poste de travail. Il leur demande de se mettre résolument au travail afin de participer au processus du développement socio-économique de la région. Il exhorte également les éléments des forces de défense et de sécurité à doubler de vigilance pour mieux sécuriser toute la circonscription administrative. C'était plutôt la réunion du gouverneur avec ses administrés. Au Musée national, les différents acteurs réfléchissent depuis ce matin sur la mise en place d'un partenariat national de l'eau. Les différents acteurs vont valider à la fin de leur réflexion le dit projet. Reportage Adef Ahmad Benrama. Un partenariat national de l'eau entre le ministère concerné et le partenariat mondial de l'eau pour l'Afrique centrale est en gestation. Le projet est soumis pour validation au cours de cet atelier qui regroupe tous les acteurs. Ce partenariat se veut un cadre d'échange d'informations qui permettra de rehausser les niveaux d'appropriation et de gestion des ouvrages hydrauliques par les différents acteurs. Selon la présidente du comité de pilotage, Ligia Soares de Barros, pour répondre aux défis du secteur, il est proposé des partenariats nationaux durables de l'eau dans les pays où il n'en existe. Le partenariat mondial de l'eau a été créé en 1996 pour accompagner les pays dans la gestion durable de leurs ressources en eau. Reconnaissant les défis qui se posent, le directeur général des ressources en eau, des études et de la planification a rappelé la politique du gouvernement en matière de l'eau. C'est dans ce cadre social que le gouvernement de la République du Tchad s'est engagé dans le cadre des objectifs de développement durable de rehausser les taux d'accès à l'eau ou au service de l'assainissement respectivement à 83 et 35% d'ici dans l'an 2030. Pour répondre à la demande affichée en matière d'eau et au service d'assainissement de manière équitable, efficace et durable, il est essentiel d'impliquer toutes les parties prenantes dans les différentes instances de prise de décision, car l'accès à l'eau est l'affaire de tous. Le ministère de l'eau et de l'assainissement, par la voix de son directeur général, exprime toute sa reconnaissance au partenariat mondial de l'eau pour son appui en matière d'approvisionnement en eau potable, de la promotion d'hygiène et assainissement. De passage à Djeddah, après le pèlerinage à la Mecque, le président national du RDP, Mahamat Alaou Taher, a rencontré les compatriotes résidents dans cette ville. Occasion toute indiquée pour le président national du RDP et ses compatriotes de s'entretenir sur de nombreux sujets. Ali Mahamat Bilou. Après avoir accompli son devoir religieux, Mahamat Alaou Taher est descendu à Djeddah. Ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et président national du RDP, Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès, Mahamat Alaou Taher, qui ne se doutait de rien, s'est vu contraint de porter sa casquette politique. Militantes et militants du RDP et ceux des partis alliés résidant à Djeddah, avec à leur tête Abakar Adam Keri Talaf, sont venus à sa rencontre. C'est un accueil plein d'effusion qui lui a été réservé. La vie de la Fédération RDP de Djeddah et celles des partis alliés ont été au menu de la rencontre. Les militants du RDP et ceux des partis alliés vivent en parfaite intelligence à Djeddah et suivent avec intérêt la situation politique du pays. C'est en substance l'information portée à la connaissance du président national du RDP. Dans son adresse, Mahamat Alaou Taher exhorte les militantes et militants du RDP et ceux des partis alliés à rester mobilisés comme ils ont su les faire. Je vous demande de continuer. De la même façon, surtout je vous exhorte à maintenir
l'unité de la communauté tchadienne en Arabie Saoudite. Il n'y a pas de différence entre les fils du Tchad et les filles du Tchad. La démocratie a voulu qu'il y ait des partis différents, mais les relations entre les hommes et les femmes ne s'arrêtent pas aux frontières des partis politiques. Avant de s'envoler pour les pays, le président national du RDP a promis de tout mettre en œuvre pour établir des contacts permanents entre les militantes et militants de la diaspora et ceux du pays. Objectif, aller en rang serré pour affronter les futures échéances électorales. L'organisation non gouvernementale Good Neighbor Tchad a commémoré ce matin à l'hôtel Hilton le 10e anniversaire de son existence au Tchad. La cérémonie s'est déroulée en présence de la secrétaire générale adjointe du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, Rebecca Djambay, et de bien d'autres communautés bénéficiaires des projets. Falambi Soulgan. 2007-2017, jour pour jour, cela fait exactement 10 ans que l'ONG Good Neighbors œuvre en faveur du développement des communautés par des projets orientés vers l'éducation, la santé, eau, assainissement et les activités génératrices de revenus au Tchad. Un film retraçant le 10e anniversaire a ému l'assistance par les réalisations accomplies en ces laps de temps. Pour la directrice pays de l'ONG Good Neighbors Tchad, Son Sun Sin, le résultat réalisé est à mettre à l'actif de l'équipe dirigeante du Good Neighbors Tchad. La secrétaire générale adjointe du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, Rebecca Djambay, salue l'engagement du Good Neighbors Tchad en matière d'accès à l'eau. À ce titre, Good Neighbors Tchad est donc la bienvenue au Tchad pendant les 10 années passées dans le domaine. Le gouvernement de la République du Tchad, à travers le ministère de l'Eau et de l'Assainissement, remercie et félicite Good Neighbors Tchad et l'assure de son soutien et de sa franche collaboration en œuvrant dans ce secteur afin que chaque citoyen ait accès à une vie meilleure. Fondée en 1991, Good Neighbors Board est une ONG internationale humanitaire de développement communautaire.